Bonjour les amis, aujourd'hui nous sommes dans les Alpes avec la petite Bidou et nous avons décidé de prendre un petit téléphérique pour monter en haut de prendre de l'altitude. Un petit peu peur de lâcher mon téléphone. C'est magnifique mais nous avons des nuages. On va voir une petite vache qui marche. Mi-vache, mi-âne. Et son compagnon de route, l'abruti, Bidou. Prise d'un téléski, donc j'en ai jamais fait. Téléphérique ou téléski, gros? Téléphérique, copain. D'accord, très bien. Nous sommes au sommet entre la France et la Suisse. Je vais passer définitivement en Suisse. Hop et hop. Et me voilà en Suisse. Pas de chocolat. J'ai du mal à revenir en France. Voilà, ils ont mis des barbelés partout. Entrée par ici. Yeah. Travail assez délicat. Oh. Ips. Oh. Et ressortir par là. Et qui l'a inventé? Ricola. Bonjour les cops, jour numéro 2. Je suis avec Bidou et nous sommes à Thonon. Et nous allons essayer de voir ce qu'il y a à faire de cette ville qui est ensoleillée et ensoleillée. La vue est magnifique. Je suis à la réserve naturelle de Thonon et j'ai trouvé ceci. Non, pas elle. Elle, c'était il y a quelques temps. Oui, cette petite fausse plage où la baignade est interdite malheureusement, mais la vue est imprenable. Et donc suite et fin de la réserve naturelle avec un petit lac à canards et un petit canard vivant. Nos vacances c'est pas le grand luxe. On bouffe style pâté pour chien dans un sac. On est bien loin de l'hôtel 4 étoiles. Mais on apprécie quand même. Voilà, c'est toujours Evian et cette ville est vraiment magnifique et pleine de surprises. Bidou voit une photo du panorama. Et on va lui donner. Bonjour les cops, jour numéro 3. Nous voici aux abords du tramway du Mont Blanc quand nous en avons monté au nid d'aigle à 2000 d'altitude. Avec une petite Bidou qui est très bien habillée et en pleine forme. Je filmerai là-haut. Et nous voilà au nid d'aigle. Et nous voilà au pied du glacier Benassé. Après une heure de tram. Donc 2400 d'altitude, on va essayer de monter à 3000. Oui, de la neige en plein mois de juillet. Mets une patte dans la neige, Bidou. Il y a un machin moi juste là, à 50 mètres. Nous sommes au-dessus des nuages. Même dans les nuages. La petite Bidou est là-bas. Ah, mais voilà, arrivé presque à tête rousse. J'ai laissé la petite Bidou en bas, car elle était fatiguée. On va voir. La vue est magnifique. Pas m'attarder ici parce que si jamais ça tombe, je suis mort. Et donc me voilà arrivé aux 3200 mètres. La tête rousse. Je suis un peu essoufflé. D'ailleurs, il y a le Mont Blanc. En haut, il y a le refuge. J'ai plus trop le temps et de toute façon, je suis mort. Et j'ai pas les équipements nécessaires donc j'irai pas.
Je veux dire que la descente est assez raide, même en courant. Si tu tombes, t'es mort. C'est vachement dangereux en fait la montagne. Des petites crêtes comme ça, quoi. Tu peux courir dessus, marcher même avec tes bâtons. Hyper dangereux. Et on kiffe. On kiffe le danger. Bonjour les cops, jour numéro 4. Aujourd'hui, ascension d'une montagne, notamment celle de derrière, en Via Ferrata. Je vais vous montrer ce que c'est. Montagne à escalader en Via Ferrata, jour numéro 4. Une mission pour Kevin et pour Marie-Ange. La peur, c'est que moi, tu m'imagines dans l'état. On peut voir une paroi, on peut voir ce qu'il y a derrière nous. J'ai un petit peu le vertige, je dois dire. La vie ne tient qu'à un fil. Petite pause déjeuner à 2000 mètres d'altitude. Salut gros. Salut copain. En route pour le Fantasiable. Bidou est prêt. Je vais couper. Du coup, c'est ça, au golf. 3. Petit réveil au bord d'une rivière. Les gorges du pont du diable. Magnifique. Le pont du diable. El Diablo. Voilà, ici s'achèvent nos vacances après 5 jours géniaux passés en Haute-Savoie. C'était cool, on a adoré. T'as adoré gros ? Oui, trop cool. On a hâte de revenir et de monter en haut du Mont-Blanc et de faire une Via Ferrata jusqu'au bout. A très vite pour de nouvelles aventures les cops.